Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette édition de camping sauvage, très sauvage, spécial confinement, où j'ai décidé du coup de camper dans le jardin de mes parents pour retrouver un peu de sensation nature qui me manque en ce temps d'enfermement. Du coup, le programme, c'est du coup passer la nuit dans le jardin, j'en profite qu'il fasse super beau, et en faisant mes jogging quotidiens, j'ai remarqué un endroit vraiment assez photogénique qui est du coup à moins d'un kilomètre de chez moi. Du coup, j'ai des champs vraiment à proximité et j'ai trouvé un endroit qui m'a l'air vraiment très photogénique. J'ai trouvé une composition. Du coup, le plan, ça serait d'aller là-bas ce soir au coucher de soleil et demain matin au lever de soleil. Je l'ai vu que au coucher de soleil pour l'instant, il y a des belles lumières. Au lever de soleil, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Le challenge, ça va être de faire tout ça en une heure. Ça va être compliqué, il me faut y aller à pied, bah, c'est à 10 minutes, 10-15 minutes, donc je prévois 15 au cas où pour être large. Donc sur place ça me fait que 30 minutes et au niveau des lumières je sais pas quand est-ce que ça sera le mieux. Je pense y aller pour 20h, le soleil se couche vers 20h30 en ce moment. Ça me laissera pile le temps du coucher de soleil, ça me laissera pas l'heure bleue. Mais je pense pas que ce soit les meilleures lumières pour cette composition, vous verrez. Et demain pour le lever de soleil, je pense y aller vraiment 5 minutes avant le lever de soleil, profiter des 30 premières minutes de soleil, après courir vers la maison parce qu'on n'a droit qu'à une heure dehors. Alors, là j'ai pas beaucoup de temps pour atteindre mon lieu de coucher de soleil. C'est vraiment chaud, une heure pour aller sur un endroit. Surtout quand on veut faire de la vidéo, du coup filmer la photo, faire la photo, se rendre sur le lieu, trouver sa compo, tout ça. Donc heureusement déjà la compo, je pense l'avoir. Mais c'est quand même assez stressant. Sachant qu'il y a pas mal de nuages là-bas. S'il commence à prendre la couleur et que je dois rentrer, ça va être compliqué mentalement. Bon là je vois rien. La photo. Oh, et en plus, pendant le confinement, on n'a pas forcément la meilleure des formes. Et je suis mort. J'ai couru 100 mètres. Au top. J'y suis presque. Comme quoi camper dans son jardin, ça peut être hardcore. Je suis parti il y a 6 minutes. Donc il me reste 6 minutes. Il me reste 54 minutes pour faire cette photo, rentrer en courant et profiter hein, parce que c'est quand même assez joli où on est dans la campagne vers le Salagou. Donc ma compo en fait c'est cette maison en pierre juste derrière et juste à droite on a un bel arbre qui prend très bien la lumière et là vu qu'on est au début du printemps c'est feuilles sont très vertes et viennent de pousser, donc elles sont magnifiques. Et derrière, du coup, juste à gauche, on a le Mont Saint-Baudille. Et du coup, j'ai deux idées de compo. Alors, soit je pars au téléobjectif, donc je reste assez loin de la maison. Et du coup, je prends cette maison plus le Mont Saint-Baudille derrière, tous les deux au tiers. Soit je m'avance plus et je me concentre surtout sur la maison. Et je pars du coup sur une photo plus grand angle où je pourrais peut-être prendre quelques euphorbes, il y en a beaucoup ici, quelques euphorbes en premier plan et avoir une photo comme ça. Donc je vais essayer peut-être de faire les deux, je vais voir ce qui fonctionne le mieux. Et là on commence à avoir de très belles lumières. Alors je sais pas si on peut voir parce qu'il y a une assez grosse dynamique là, mais il y a de très belles lumières là-bas, il y a des nuages assez noirs au niveau du Mont Saint-Baudille et on a le soleil qui se couche sur l'est et qui du coup font des éclaircies sur les terres là-bas qui sont magnifiques. Donc j'espère que ça se verra sur les photos. Mais je vais pas perdre plus de temps parce que j'ai pas beaucoup de temps là, donc je vais placer mon trépied et je vais shooter ça.
Du coup, pour cette photo, je me suis mis 55 pour avoir une photo vraiment compressée. Mon sujet principal, ça reste quand même la maison et l'arbre. Avec le bon symbody, c'est du plus derrière. Le premier plan, j'en ai pas vraiment, c'est plutôt une continuité verte, donc je me mets à f3.6, donc le maximum de mon objectif, pour avoir une profondeur de champ vraiment floue devant, et ça, c'est ce que je cherche. Après, au niveau des ISO, je me mets à ISO 80 au minimum, et là, en vitesse, je suis du coup à 1/160. Je mets 2 secondes de timer. Alors là, du coup, changement de compo, je vais passer du coup au grand angle, voir ce que ça peut donner. J'aime bien la photo avec le téléobjectif, après à voir ce que ça donne sur Lightroom. Et là, du coup, ce que je vais voir, si je peux avoir du coup la maison de beaucoup plus près avec le grand angle, voir ce que ça peut donner. Et si ça fonctionne pas, pour les dernières lumières, je repartirai vers ma première composition. Là, j'ai une petite fenêtre, pour vous parler. Du coup, je me suis mis au grand angle, comme j'avais dit, pour essayer de capturer du coup les euphorbes, toutes ces euphorbes qui sont devant avec la maison derrière, et en gardant quand même un œil sur le Mont Saint-Body qui est derrière. Et j'ai une fenêtre de, je sais pas, 3 minutes, je pense, pour faire ces photos. Là, il y a un nuage qui passe devant le soleil, donc pour l'instant, je peux vous parler. Donc, ce que je vous explique, j'ai essayé plusieurs endroits, donc en essayant d'avoir des bouquets de formes un peu, en portrait et en paysage. Je vais essayer les deux, comme ça je verrai ce qui me va le plus après. Là, j'ai pas le temps de me mettre sur vraiment une composition et attendre, donc je shoot un max et je verrai plus tard ce qui marche. Du coup, pour ce qui est des réglages, je suis ISO le plus bas. Je me suis mis à F16 parce qu'en général, je suis à quasi 1 mètre, même pas, de mon premier plan. Donc F16, ça me permet normalement d'avoir tout net avec cet objectif. Je fais ma mise au point sur du coup l'infini qui est les montagnes derrière. Ça me permet d'avoir l'ensemble net. À l'heure actuelle, je sais toujours pas ce que je préfère de près ou de loin. J'aime beaucoup quand on est plus près parce qu'au final, le Mont Saint-Body, même s'il y a une antenne, c'est pas un point vraiment culminant comme le pic Saint-Loup ou un pic qui est distinguable à l'horizon. C'est quand même un sommet sur la chaîne qu'il y a derrière, mais il est pas très distinguable et j'ai peur que au final la photo qui se concentre sur le Mont Saint-Body et sur la maison soit pas assez impactante. Donc là je vais avoir les dernières lumières, donc je pense que je vais rester sur cette compo. Et après je vais sûrement changer d'avis et courir faire l'ancienne, parce que c'est toujours comme ça, on n'est jamais sûr de rien en photo de paysage. Mais vu que c'est pas loin de chez moi, je pense que je vais y retourner souvent si le résultat peut être bien. Je vous mettrai le résultat du coup sur ma page et sur Instagram si j'ai des trucs sympas. Bon, je vous laisse, j'ai encore une petite fenêtre là. Et voilà, c'est toujours comme ça. Je pense plus avoir de soleil et là j'ai trouvé la compo parfaite, donc qui est vraiment très proche de la maison, en format portrait pour avoir vraiment un bouquet de formes en premier plan et la maison et l'arbre derrière. Donc c'est une compo que j'ai l'impression de beaucoup aimer parce que les euphorbes devant sont un point vraiment intéressant parce qu'elles sont très vert-jaune mais vraiment vifs. Ce qui contraste avec le tour de l'herbe qui est vert plus monotone.
Et du coup, la maison et l'arbre derrière que je trouve toujours aussi intéressant, qui sont placés aux deux tiers chacun, et qui pour moi font une très bonne composition. Mais j'ai l'impression d'avoir loupé la lumière, la fameuse lumière. Je croise les doigts pour que le soleil fasse une dernière apparition, parce que là, il est juste derrière. Là, j'ai trouvé ma composition, donc pour la trouver, j'ai cherché. Je me suis baissé, je me suis relevé, j'ai regardé les différentes perspectives. Et finalement, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est donc à 1 mètre du sol, là, pour le coup, pour avoir vraiment le premier plan bien amplifié des euphorbes, comme je dis. Et donc là, c'est ce que je préfère. Donc, faut jamais rien lâcher. Faut toujours chercher, même si c'est pas ce soir. Demain matin, je reviens au même endroit, faire le lever de soleil, du coup, après ma nuit dans le jardin. On verra comment les lumières se comportent. Logiquement, le soleil se lève, du coup, à l'opposé par là. Du coup, je connais pas du tout comment les lumières vont se comporter sur ce lieu, demain matin, mais j'ai hâte de découvrir. Et du coup, comme je dis, si ça fonctionne pas ce soir, ça fonctionnera bien un autre soir. Malgré tout, même si je réussis pas à avoir une photo ce soir, ça restera quand même une belle expérience. Parce que ces derniers temps, on n'a pas beaucoup l'occasion de sortir, même pas du tout. Ça fait du bien de faire de la photo, il fait super beau. Je suis dans un endroit quand même assez magnifique, j'ai de la chance d'être en confinement ici. Je profite malgré tout énormément de cet endroit. Dès que je rentre, je me fais à manger au réchaud à l'ancienne, comme si j'étais vraiment dehors. Et je me couche tranquillou, parce que demain, je vais me lever assez tôt. Donc moi, je vous dis à demain pour le lever de soleil. Allez, je vous laisse avec quelques images du coup de ma soirée bivouac sauvage. Et je vous dis à demain. Salut!
Et bonjour à tous, on se retrouve avec cette petite nuit. Là je me dépêche, je vais arriver, je pense j'aurai 5 minutes et le soleil sera levé. Alors après avoir pris quelques photos au téléobjectif, qui je pense vont être vraiment pas mal, et quelques panoramas, parce que là on a vraiment du coup une séparation, on a la même composition qu'hier, la maison avec l'arbre et le Mont Saint-Baudier, sauf qu'on a une grosse séparation en plus des arbres de cette mer de nuages, de ce brouillard qu'il y a dans la vallée là-bas, et ça crée une séparation visuelle très importante qui je pense aide visuellement et donne beaucoup à la photo, donc je pense qu'au final celle-là sera pas mal. Je suis revenu sinon du coup à ma compo d'hier, donc le bouquet de forbes avec la maison et les arbres et l'arbre devant. J'ai rien changé au niveau des réglages, donc je suis à F16 focus à l'infini, ce qui me permet d'avoir l'ensemble net. Aussi pour maximiser mes chances, je fais donc du focus stacking, mais je fais aussi du bracketing, c'est-à-dire que je prends trois expositions différentes. Je prends une très sous-exposée pour avoir vraiment les bonnes couleurs dans le ciel, une exposée normalement sans rien de cramé, rien de bouché, et une cramée on va dire, pour avoir tous les détails du coup dans les herbes et aussi sur la maison. Pour ce qui est de la lumière, on a eu de jolies lumières ce matin, assez douces. Au-dessus de la maison, on avait quelques nuages qui prenaient un petit peu la lumière, mais vraiment brièvement et de façon très pastel, on va dire. Donc c'était très joli. Et là, sinon, ce que j'attends, du coup, c'est que le soleil dépasse le petit nuage qui est à l'horizon, ce qui me permettra, du coup, d'avoir toutes les herbes normalement ensoleillées, dont cet arbre qui prend très bien la lumière. Et après je remballe et je rentre en courant, parce que sinon c'est pas drôle. Bon, mes 1 heure quotidienne touche à leur fin. J'ai eu des lumières de ouf, je trouve. C'est vraiment ce que j'attendais au niveau de la golden hour, on va dire. Dès que le soleil a commencé à toucher les herbes, je trouvais ça magnifique. Sinon, c'est fini pour moi. La vidéo camping sauvage est sortie photo de paysage confinement en moins d'une heure. Est finie. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai réussi à faire les deux, donc de la vidéo et de la photo en 1 heure, c'est vraiment compliqué. J'espère que ça passe. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est un challenge assez compliqué. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis ciao.